Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Vlam, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas mal du tout. Donc je fais cette vidéo, donc il y a pas mal de gens à qui j'avais déjà dit que je préparais une vidéo pour dire que ben, un petit peu ma chaîne qui va totalement être modifiée par rapport à avant. Donc avant tout je tiens à préciser que non je n'arrête pas Dofus, hein, c'est pas pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est tout simplement pour vous dire que je vais un petit peu changer l'optique de ma chaîne et partir plus sur un optique de live, de replay, de choses comme ça. Parce que, ben, je sais pas, j'ai complètement joué à beaucoup plus de jeux qu'avant en fait. Et je pensais que faire des vidéos d'une dizaine, une quinzaine de minutes comme avant, j'avais pas trop l'intérêt. Enfin, même, c'est pas une contrainte de temps. Hein. C'est juste le principe de faire une vidéo enfin, sous forme d'épisode et tout ça. Enfin, j'ai un peu perdu la... Enfin, c'est pas l'envie de faire du boulot comme ça, mais c'est, enfin, c'est plus du tout comme ça que je joue à des jeux vidéo, je vais dire. Et bah, ce que je compte faire, c'est faire souvent bah, des lives, hein, presque tous les jours, hein, le soir quand je joue. En mode vraiment vraiment en mode posé quoi, on joue tranquille, si vous voulez jouer avec nous bah vous jouez, enfin ainsi de suite, vraiment en mode posé quoi, on arrête de se prendre la tête, c'est pas parce que bah, t'es un petit peu connu que enfin, voilà que tu dois prendre tout le monde de haut et ainsi de suite. Donc voilà, je risque de faire donc des vidéos beaucoup plus longues qu'avant. Bah, si ça fonctionne bien, enfin si je vois qu'il y a quand même des gens qui sont là le soir et ou la journée, ben, je vais essayer de faire genre des best-of et des machins comme ça. Je compte aussi faire des petites compétitions vraiment pour le fun sur des jeux divers. Hein. Genre bêtement comme par exemple je pourrais prendre Dofus, ben, un Incarminator comme on avait fait. Genre des 1v1 avec des persos niveau 3 et des trucs comme ça. Ça peut être franchement sympa je pense. Avec des petits lots à gagner. Donc bien sûr, je vais pas vous faire gagner des PlayStation, des machins comme ça, faut rester dans le possible en même temps. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire d'autre? Oui, donc les jeux sur lesquels je vais me focus vraiment pour le moment, ça va être donc, dans un premier temps League of Legends. Ensuite, en vraiment gros jeu, il y a World of Warcraft que je joue pas mal pour le moment. Il y a Hearthstone que je me suis remis il y a 2-3 jours et que franchement je suis en train de le sécher le jeu, donc franchement une petite, pas une aventure suivie je vais dire, mais enfin vous montrer un petit peu, faire des ranked, comment construire un deck, des choses comme ça, ça pourrait être vachement sympa je pense. Ensuite il y a... Bah, y a Dofus hein, toujours, ça on n'oublie pas, même si je pense que je vais plutôt me tourner sur du PVP, enfin plus tuto comme je faisais avant, donc ou XP, comment monter un perso, enfin des quêtes, des machins comme ça, vraiment faire totalement différemment que de ce que je faisais avant. Ce que je pense limite faire, c'est en gros faire comme si je commençais une nouvelle chaîne, je vais dire. Donc avec toutes des nouvelles vidéos, les séries qui étaient avant, ben, entre guillemets, on les oublie, celles qui sont finies tant mieux, celles qui sont pas finies, ben, enfin voilà, c'est comme ça. Alors ce que je ferai aussi, c'est tester des nouveaux jeux, donc là ce que j'ai prévu de tester donc dans pas longtemps, c'est StarCraft 2 et Diablo 3, donc bien sûr la version gratuite. Hein. On peut télécharger sur Battle.net et ou d'autres jeux hein, que peut-être que je téléchargerai ou que j'achèterai sur Steam ou quoi, ça pourrait être sympa je pense. Donc je vais vraiment faire beaucoup plus du multigaming pour le moment, enfin à partir de maintenant plutôt, parce que ben voilà, c'est ma façon de jouer actuelle et ben ça a pas l'air de déplaire. Enfin, je suis sûr que ça va déplaire à beaucoup de personnes que je fasse plus autant de Dofus qu'avant. Donc vous le voyez même au niveau des vidéos. Hein. Enfin, quand je faisais une vidéo sur Dofus, c'est vraiment... enfin, c'est plus pour vous faire plaisir que me faire plaisir à moi. Quoi. C'est pas... Enfin, j'ai pas envie de me faire des vidéos pour me sentir obligé de faire des vidéos. Quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc je fais une vidéo comme ici, pas trop longue, histoire que vous l'écoutiez jusqu'au bout.
Et ben, si vous avez des questions, des idées de jeu ou des choses comme ça, ben, n'hésitez pas, soit à le mettre en le mettant dans les commentaires de la vidéo. Désolé, on a été coupé, j'ai appuyé sur la touche espace de mon clavier sans faire exprès, donc ça a coupé l'enregistrement, donc voilà, je fais la petite transition. Donc je disais, si vous avez autrement, enfin si vous vous faites poser des questions plus personnelles, faire des vidéos avec moi ou passer dans des lives, des trucs comme ça, vous pouvez me l'envoyer sur mon adresse email, donc qui sera dans la description si j'y pense. Donc c'est Capitaine Flamme, donc comme mon pseudo, Games avec un S, donc G-A-M-E-S, @gmail.com, donc j'essaye de répondre à tout le monde le plus rapidement possible, parce qu'en fait j'ai la boîte mail sur mon téléphone, donc dès que je reçois le mail, ben dès que je le vois sur mon téléphone, ben je réponds directement, et donc voilà. Donc vous avez pu voir pendant la vidéo, j'ai mis des petits gameplay que j'ai filmé là tout à l'heure, pour mettre en fond. J'ai mis une petite musique, enfin je vais vraiment essayer de faire du bon boulot, et continuer à vous plaire comme avant. Donc j'espère que ça va faire plaisir aux gens de me revoir en vidéo assez souvent, des streams, enfin ça va vraiment changer, vous inquiétez pas. Les streams, je ferai ça sur YouTube bien évidemment, parce que j'ai remarqué que sur Twitch, oui d'accord, il y a des gens qui viennent, mais bon, j'ai pas autant de, comment dire, enfin je sais pas, en fait quand vous faites un live sur YouTube, c'est en gros, ça se met sur l'écran d'accueil des gens, donc directement ils le voient, plutôt que si je le poste sur YouTube, ça va mettre un petit truc, voilà je suis en live sur Twitch et tatata. Puis alors en plus avec YouTube, on aura le replay des lives à chaque fois, et je pourrais faire des petites scènes coupées, les meilleurs moments du live et ainsi de suite. Donc ça peut franchement être pas mal du tout. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou quoi que ce soit. Je risque, déjà je vais mettre cette vidéo en ligne. Et s'il n'est pas encore trop tard, je risque de faire un petit live sur Hearthstone. Et normalement ce soir, je ferai sûrement du League of Legends en live aussi comme d'habitude. Donc n'oubliez pas que pour les personnes qui veulent... qui veulent être au courant de mes lives, abonnez-vous à la chaîne. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, parce qu'en général, quand je fais un live, je le poste sur Twitter et sur ma page Facebook. C'est un réflexe que je fais toujours comme ça. Et donc voilà, donc pour être vraiment au courant de tout, abonnez-vous et regardez vos mails. Et normalement, presque tous les jours, donc soit la journée, soit vraiment le soir, donc à partir de 22h, je dirais, je risque de faire des lives assez souvent. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis, je vous dis à très bientôt pour le nouveau commencement de ma chaîne, et merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, salut à tous.